plat, les délicieuses. Bonjour, aujourd'hui c'est samedi. Cet après-midi, je vous emmène avec moi à un défilé de jeunes créateurs où je suis jury. Donc, c'est la première fois pour moi. Donc voilà, ça va être une super ambiance. Il y a Michael qui vient avec moi. Mais là, on est en mode tranquillou, garde. Oui, mais tu t'appelles Michael, non? Enfin, j'ai l'habitude de t'appeler. Tu m'appelles pas Julicieux, ça, dans la vraie vie, de temps en temps, mais bref. Et là, on est en... D'abord, on fait un petit barbecue. Bon, là, ça fume, en fait, j'essaye de vous... Ça crame, même. Si tu pouvais m'aider. Bon, donc là, on fait un petit barbecue, donc des petits poulets, d'oseilles, des barbecues, d'oseilles. Dans ta main, t'as quoi? Dans ma main? Oui. J'ai un petit coca. Sauce tranquille. Voilà. Tranquille, on est au soleil, on c'est est là. Tout, et... On est bien, le soleil. On se met à la baie. On commence avec les barbecues, tranquille. Voilà, donc bon appétit chez vous. Hein. Bon appétit chez vous. Donc les Julicious, on est passé du mode barbecue. Je me vois pas. Ah oui. Ouais, mais moi, je vois même pas ce que tu vois. On est venu passer du mode barbecue au mode. Voilà, beau gosse, c'est parti. Donc, Michael, il a mis quoi? C'est quoi ce haut? Six jaune. Voilà, c'est pour ce jean. Truc fic. Le... À Lil Wayne, la marque à Lil Wayne. Tes chaussures? Supra. Ok. Et ton collier? Rasta. Ok. Et moi? Et là, t'es censé faire un slide, merci. Ultra. Voilà. Ouh. Donc, moi, j'ai mis mon croc top River Iceland. Une veste que j'ai depuis la nuit des temps, je crois que c'est Jennifer, il me semble. Ma jupe Tom Baker. Et puis mes chaussures Aldo. Voilà, on est beaux gosses. Hein. Wow. Voilà, c'est tout. C'était barbecue. Barbecue. Donc c'est parti, je ne sais pas du tout ce qu'on attend de moi. Enfin, si, on m'attend de noter, de juger, mais je n'ai jamais fait ça. Donc voilà, Michael, voilà. Il est en train de siroter le dessert en fait, parce qu'on a, reçu, on a eu des invités. Champagne. Et donc on ne sait pas. Avant de partir. C'est vrai, mais faites modération les gens. Et donc en gros, il finit son dessert et puis nous on y va. Voilà. Allez, c'est parti. Ça y est, on vient d'arriver donc à l'espace. Hop, ma main qui vient. On vient d'arriver à l'espace Peugeot sur l'avenue de la Grande Armée où il a déroulé le défilé. Donc là, moi je suis installée avec les trois autres jurys sur les chaises là. J'ai ma cote derrière moi et j'ai mon petit formulaire pour mettre des évaluations, pour noter, dire ce que j'ai pensé du tenu, etc. Je vous montre un petit peu la salle. Là, donc ici, on a les photographes au bout. Je pense que ce sont les créateurs qui sont dans le coin par là. Ici, ben, le tapis où vont défiler les modèles. Et par là, le public, les gens qui sont venus assister. Et voilà. Donc, dans mon petit carnet d'évaluation, j'ai déjà les croquis, donc j'ai les noms des créatrices, j'ai les robes, donc il y a une robe de soirée, une robe on va dire urban chic, voilà, Campos Rojas de Pilar, voilà, donc la note que je mets sur 10, commentaire, robe de soirée, nanana, pareil, ah, là c'est un petit peu plus. Voilà. Et voilà. Et je crois que là, c'est moi qui ai arraché la deuxième page. Je vais la remettre. Donc voilà, pour les 10 créateurs, donc on va avoir défilé 20 modèles. Et voilà. D'accord. Donc là, en fait, on nous accompagne à nous montrer les coulisses, backstage et compagnie. Donc. Elle nous expliquait qu'à la base ici c'est vide. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, je suis né là-dedans. Ah d'accord. Ouais, bon. C'est moi qui ai fait la mini jupe, ça vous suffit comme ça. Ah, ça me suffit largement, voilà. Mais c'est formidable. Donc en fait, elle nous expliquait qu'ici c'était vide avant, et donc là on a les coulisses, les modèles. Bonjour. Les créateurs, les couturières. Là, les tenues. Ok. Les tenues. Alors. Les belles tenues des créatrices. Ici, on fait les dernières retouches. Sans maquillage. Ça se sent de ce côté-là. Hey, ça va? Bon, mais du coup, peut-être que vous avez reconnu, elle est dans la vidéo aussi de la foire de Paris. Et donc, je suis tombée sur elle et voilà. Voilà, je continue à faire mon petit tour.
parle à sa make-up. Hop. C'est jusqu'à Chignon. Pour une fois, je ne suis pas au make-up. Pour une fois. Donc on va les laisser se préparer tranquillement et nous on va retourner là-haut. Pour une fois, je suis pas au make-up, ça fait bizarre. Normalement, je suis là en train de courir, en train de dire vite, vite pour les habiller. Voilà. C'est parti. Let's go. Oui, ça serait bien. Donc en gros, elle passe, elle marche ici, là, tac, 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 elles font tout le tour, elle passe de l'autre côté et elle ressort ici. Voilà. C'est bien ça. Parce qu'il y a plusieurs passages. Oui, après pour redescendre, etc. C'est cool. C'est moi, je suis maladroit là. J'ai eu un problème de bas. Pas de problème. Une robe de soirée et une robe diplomatique. Ensuite, nous aurons la création de notre partenaire Paris Chauvique qui commencera à l'Europe. Et ensuite, la création du styliste Nidalia Sartini. Je remercie l'espace Christiane Peugeot qui nous a accueillis dans sa galerie d'art. Et surtout, le directeur artistique François Pouille-Lefebvre pour ses œuvres d'art au mur qui est la galerie. Donc, je vous remercie d'être ici et je vous souhaite un bon défilé.
Prendre un petit cocktail, un petit verre, histoire de célébrer ça. Franchement, des créations pour des jeunes créateurs, donc quand je dis jeunes créateurs, c'est des gens qui n'ont pas forcément de boutique, enfin, des jeunes créateurs tout simplement. Et il y avait des choses fabuleuses. Moi, j'ai bien aimé la robe en bonbon là, qui fait brouing, des balles noires. C'est impressionnant. C'est propre pour porter tous les jours. Je le vois mal arriver au travail. Tu sais, t'arrives au travail en bonbon. Mais ça va, Julie? Brouing, ouais, ça va être. Et toi, comment t'as trouvé? Franchement, au top. C'était magnifique. Cette expérience, ouais, c'était au top. Franchement, à refaire. À refaire ? La prochaine fois, ce sera moi, je vais défiler. On te prend au mot, hein ? Ok, vas-y. On te prend au mot. Mais c'est ça, vous allez me voir bientôt. T'inquiète, je te ferai défiler. Yes, voilà. Bon ben, c'est tout. Nous, on y va, on va faire un petit tour sur les champs. Let's go. Let's go. Oui, voilà. Voilà. Et la limousine rose des Duits. Allez. Voilà. C'est la mienne. On est sur les champs. On est sur les champs. Ah, tu peux couper parce que c'est bon. C'est bon ? Oui. Attends, mais j'essaie de la prendre au meilleur plan. Bon. Hey les Julicius. Hey. Franchement, c'était incroyable. Hey. Nouvelle journée. Nouveau barbecue. Pourquoi vous avez fait un barbecue hier ? On a fait un barbecue hier. Hier. Et donc là, on fait un nouveau griller la viande. Je crois même que ça brûle, chef. Non, non, celle-là, elle est chef bien. Barbecue. La fournaise, elle est bonne. Dans le barbecue d'aujourd'hui, il y a... Le coup, c'est lui qui s'y coltine. Ben non, c'est lui et moi, mais non, c'est à deux, attends. Et aujourd'hui, hier, j'avais une tati et un tonton, et aujourd'hui, on a Sana, ma cousine, et tout ça. C'est laquelle cousine qui vient ? Manu, avec son petit frère, trop marrant, et son mec. Et puis voilà, et on a refait un barbecue, non, et en fait, on Manu voulait... Manu avec son mec. Mais tu l'as déjà vu en plus, son mec ? Non. Mais si, c'est celui qui était là la dernière fois. Ah non, tu sais quoi, je me suis trompée en fait. Je pensais que c'était celle avec les cheveux courts. Comment elle s'appelle, la plus jeune là ? Sandrina. Ouais, je me suis trompée. Non. Et donc, je voulais d'abord vous donner un cours de barbecue. Donc, Michael. Parce qu'on est en train de se taper une barre tout à l'heure sur le barbecue. Le barbecue. So, chose numéro 1 à savoir à propos du barbecue. Les saucisses de cette disposition par rapport aux grilles, parce que sinon les saucisses elles passent. Elles tombent. elles tombent. Tu rigoles, mais attends, c'est très important. Elles tombent à travers. Faut savoir qu'il faut mettre des viandes en fonction de la cuisson, par exemple, mets le poulet avant parce que ça met plus de temps que les merguez. Parce que ta merguez elle a le temps de cramer, ton poulet il est pas cuit au milieu. Et les brochettes, en gros, poulet, brochette, merguez, chipot. Voilà. Tout un art. Tout un verre. Et pour le feu, donc là, c'est toi qui vas filmer, Michael. Yeah. Ah ouais. Donc, vas-y. Lorsque votre feu s'éteint. Dès que le feu s'éteint, il te faut un truc pour éventer. Ici, un pare carton qui était une boîte avant. Il faut éventer la... le détail. Il faut éventer le charbon. Des chaussures. Alors, il faut être régulier. Alors, il ne faut pas faire dans son cou et s'arrêter, ça sert à rien. C'est régulier sur les braises et tu éventes comme ça jusqu'à ce que tu entendes le charbon crépiter. Pour que tu entendes le. Très important. Attends, on va y aller. Fais le bruitage, Michael. Non, non. Ah non, mais écoute, t'inquiète, tu vas se faire tout seul. Et là, ça marche pas. Là. Ah, d'accord, voilà. J'entends. Jusqu'au crépitement. Ah, tu ouais, vois, j'entends. Tu vois, mais que les braises deviennent à nouveau rouges. Voilà. En zoom. Vous pouvez constater. Et là. Tu laisses ton barbecue. Tu voyais les mecs dans The Iceland. Oh, les mecs dans The Iceland ou Koh-Lanta, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, prenez-en la graine un peu. Voilà. Nickel, quand j'ai dit ça, il m'a dit ouais, mais d'habitude ils ont pas ils de ont charbon. Ils ont pas de charbon. Bah oui, ils ont rien, les pauvres. Mais ils bon. Ont pas le cube. Ils ont pas les cubes Carrefour. Les cubes Carrefour pour mettre du feu dedans. Et voilà. Okay. Merci pour cette leçon qui nous servira.
Vous aurez remarqué à l'arrivée de l'été. Le petit barbecue violette au mignon que tu pourras transporter par. Le barbecue Julicius avec le couvercle assorti. Et ça grille beaucoup de viande, croyez pas qu'il est petit, hein. Vous inquiétez pas, on va manger à 10 là. Tu tournes la viande, hein. Tu fais tourner. Et voilà. Et ton outfit, Julicius. Ah oui, alors today, I wash my hair. That's why ils ont bouclé comme ça, tu vois. Sinon ils sont raides, mais tu veux. C'est une robe punky, hein, tout simple. Et dessus, j'ai mis mon tablier de la collection. C'était quoi cette collection de chez Mac? En gros, c'était les accessoires qu'on avait. Ah, c'est Mac? Ouais, ouais, c'était les accessoires. C'était la collection où il y avait le gant, où il y avait les petits trucs pour les lèvres très grossis, là, où moi, tu mets pas. Bref, je sais plus, c'est quoi. Si, ça date d'il y a 2 ans. Même, j'avais mis une perruque blanche et tout. Ouais, c'était un truc trop bien. Et donc, c'est le tablier qui était avec donc, pour faire la ménagère et j'ai été récupérée chez moi. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Ouais. Et toi, Michael, ton outfit? Moi, c'est petit Marcel. On a un petit Marcel en mode barbecue. Avec le petit collier qui va bien. Moi, si j'étais Marseillais, ça m'aurait pas plu. Ouais, vive Marseille. Vron. Vron. Vron, 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 vron. Et les petites Supra. Tranquille. Tranquille. Pépère posé. Grand-père. Et donc voilà. Et voilà. Et il s'habille comme les bitouquets. Non, en fait, il est habillé et après il me dit. Non, mais non, mais je vais me ressaper tout à l'heure. Ah, d'accord, on va sentir. Voilà, ah, okay. Attends, moi je vais te montrer ça. Regarde, regarde. Oh, c'est trop mignon. C'est joie et bonheur. Joie et bonheur. Voilà, c'est trop mignon à Carrefour. C'est trop mignon. C'est tout. C'est tout. It's so delicious. Oui, donc quand t'arrives chez moi, t'as ça devant la porte comme ça. Et voilà. T'es happy forcément. Dès que tu passes cette ligne, hein, genre ouais. Si t'es en colère, tout va bien. Attends, attends, on l'a refait. On l'a refait. J'ai passé une bonne journée. Les bougeons de bouteillage. C'est énervant. J'ai dit pourquoi tu fais ça. Vous montrez-nous comment tu coupes du melon. Non, non. Et chargé de couper le melon en fait. Je me suis jamais cachée du fait que je savais pas. Je tenais à le préciser. Mais ma maman t'a dit de faire des petits bouts comme ça. Comment, de tout petit? Elle m'a dit fais comme tu veux. Tu m'as dit. Ah non. Mais quoi, comme ça fait des petites bouchées. Non, au départ, j'avais dit des petits cubes. Ça déboîte. Et puis, bah, c'est des petits cubes. Elle me dit, je vais faire des tranches. Alors moi, je m'attendais à avoir des petites tranches. Moi, je m'attendais à avoir des tranches. Je vois des petits. C'est parfait. Des bouchées. Maintenant, on voit des bouchées. Des bouchées. Des bouchées. Des chefs. Voilà. Laissez faire la chef. Chef Sana, spécialiste melon. Vous êtes trop méchants. Donc, quel est le nom de ton plat? Bouchée melonnière. Ok. Attends, sur Audi. Audi. Boucher melonnière sur lit d'argent. Waouh. Lit d'argent. Magnifique. Magnifique.